Alors bonjour ou rebonjour à tous, on va attendre encore un tout petit peu que les autres arrivent et puis on pourra commencer notre cours. Allez, on va démarrer, j'espère que vous allez bien. Le cours Zoom était amusant, hein. Franchement, c'était pas mal. L'ambiance était bonne et ça fait plaisir. Regardez, on va commencer comme d'habitude avec à vous la parole. J'aimerais s'il vous plaît que vous me disiez quel est votre style musical préféré et pourquoi. D'accord, le style musical que je préfère c'est... parce que, donc essayez de m'expliquer pour quelles raisons vous appréciez spécialement ce style musical. Alors, je ne sais pas si c'est difficile pour vous de m'expliquer ça, mais en tout cas, donc je vais vous dire bonsoir. Bonsoir Ashley qui était le premier, bonsoir ou rebonjour ou rebonsoir Ice Cubes. I just called, bonjour, bonsoir. Michel, bonjour, bonsoir. Finzark, bonjour, bonsoir. Judith, bonjour. Zid Industrie, bonjour. Finzark encore. Jean-Michel, bonjour. Bikert, salut. Berila, bonjour. Judith encore. Finzark. Marwa est là, bonjour Marwa. Très bien, alors on y va. Racontez-moi tout ce que vous aimez. Donc Ashley qui nous dit Benz, 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 bien sûr, mais donc vous aimez bien NTM? Ça me rappelle ma jeunesse, ça, Ashley. Le 9-3, c'est là où j'allais. Judith nous dit je préfère Johnny Hallyday parce que j'aime la chanson française. D'accord, chanson, faites attention Judith, c'est H-A-N-S-O-N. Ankouta qui nous dit bonsoir, bonsoir Ankouta, dites-nous quel est votre style musical préféré et pourquoi. Victoria nous dit bonjour, bonjour Victoria, même chose. Bikert nous dit parce que le musique... Alors style musical, oui, d'accord. Bikert, développé, parce que là c'est un petit peu court. Classis, bonjour, bonjour Classis, nous espérons que vous allez bien depuis le cours Zoom. J'aurais des questions sur Mademoiselle Ledoux. Alors, Michel, le style musical que je préfère, c'est la musique classique, parce que cela me détend, je peux lire et faire autre chose, relaxante en même temps, d'accord. Si vous voulez mettre le pluriel, dans ces cas-là, vous allez mettre des apostrophes avant votre autre et vous allez mettre un S à la fin de autre. D'autres choses relaxantes en même temps. Jean-Michel nous dit « Le style musical que je préfère, c'est la techno parce qu'elle me fait danser. » D'accord, la musique, on va dire, hein. Elle me fait danser. Curtis, ben, bonjour Curtis. Marwa qui nous dit j'aime. Alors faites attention, Marwa, en général, on va dire, on l'écrit au singulier. J'aime le classique ou j'aime la musique classique. D'accord. Abir, je préfère la musique classique parce qu'elle m'aide à me relaxer. Batoul qui nous dit bonsoir, bonsoir Batoul. J'aime bien Françoise Hardy, nous dit Samantha ou Curtis. C'est vrai que c'est sympa. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment sympa. Françoise Hardy a été hospitalisée il n'y a pas longtemps. Bikert, j'adore la chanson française nostalgique. Eh ben, vous aimez Françoise Hardy peut-être aussi. Ensuite, Cosmina Bellou, bonsoir. Le style musical que je préfère, c'est le jazz instrumental parce que je peux travailler pendant que j'écoute la musique. Ice Cubes nous dit, je n'ai pas... Faites attention pour l'ordre. Je... N apostrophe AI. Je n'ai pas un style musical, donc j'aimerais écouter tous les styles au pluriel, mais en ce moment peut-être, hein, excuse, en ce moment, le style musical que je préfère, c'est la musique classique, parce que je dois écouter pour jouer mieux du violon. Ben oui, c'est important. Yulia, le style musical que je préfère, ce n'est que le rap, parce que ce n'est pas très musical. Ok. Finzark, le style musical que je préfère, c'est compliqué. Oh, bah, faut expliquer. Parce que je ne sais pas. J'aime Kerong Kong. C'est un mix entre de la musique folk et de la musique européenne, peut-être. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est bien. Au moins, vous avez expliqué, Finzark. Et ça, c'est formidable. I just called qui dit « J'aime toutes sortes de musique, sauf crier. » Et je suis également d'accord avec Doc Michel. On vous appelle Doc Michel maintenant. Ensuite, Ashley, mais le rap raconte une histoire. Oh là là, on va avoir des discussions très profondes sur la musique et sur les textes. Victoria, j'aime toute la musique car tout me fait du bien selon le moment. D'accord. Ankouta qui dit « Le style musical que je préfère, c'est la musique hip-hop parce que j'adore danser. » Ouais, faites attention Ankouta, danser D-A-N-S-E-R. Hein. En français, on met un S pour danser. Bah, écoutez, je pense que tout le monde a répondu et maintenant, voilà. Vous allez probablement me détester, mais comme il y a des personnes qui aiment bien les dictées, je me suis dit, ah, Classis nous dit, je préfère la musique classique quand je dois me concentrer. Alors, Judith qui dit, quel type de musique vous aimez Vincent? J'aime toutes les musiques. Moi, j'ai pas de problème avec la musique. Je préfère, nous dit Batoul, la musique classique et les anciennes chansons françaises. Très bien. Alors, regardons. Donc, on va faire de la dictée, comme je vous avais dit. Et on en a fait tout à l'heure. Je pense que c'est un bon exercice. Je vais lire quelques phrases. Je vais les lire une, deux ou trois fois. Ça dépend de la longueur. Et puis, vous allez les écrire. D'accord? Alors, on va commencer. Regardons celle-là. Ça ne devrait pas être très, très, très difficile. Je vais la lire deux fois. numéro 1. L'automne est la saison la plus agréable pour visiter Paris. Numéro 2. L'automne est la saison la plus agréable pour visiter Paris. Allez-y, écrivez votre phrase. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Donc, on va faire la même chose. J'espère que ça va marcher comme ça a marché ce matin. Oh, c'est formidable. Pour une fois que ça marche, je peux être content de moi. Mes oreilles, je ne sais pas. Alors, attendez. Regardons vos réponses. Donc, la première chose qui était peut-être un petit peu difficile, c'est d'écrire automne. Donc, souvenez-vous qu'on l'écrit avec un O. Et surtout, il y a le M, même si on ne le prononce pas, il doit être là. Après, est la saison, normalement, ça c'est pas très très compliqué, je regarde, apparemment c'est bon. Après ça, on utilise la plus agréable. Alors, la plus agréable, ça c'est ce qu'on appelle le superlatif, hein. La plus agréable. Et ensuite, on avait pour, donc préposition, visiter infinitif, parce qu'il est en deuxième position, et Paris. Idéalement, Paris, vous mettez une lettre majuscule, je pense que tout le monde l'a à peu près. Faites attention, Bikert, ouais, l'automne est la saison. Regardez saison, comment on l'écrit. On écrit S-A-I-S-O-N. Ice Cubes, idéalement, saison, c'est un mot. C'est pas deux, mais bon, soyons tolérants. Je regarde ensuite les autres. Non, ça a l'air d'être assez bon, donc il n'y a pas trop de problèmes. Je ne sais pas pourquoi Ashley était un peu triste. Ah, Rory est arrivé. Très bien, pas de problème. Donc pour visiter, ouais, faites attention Rory. Visiter, ça va être l'infinitif, hein, avec ER à la fin. Alors Classis qui veut que je répète. Alors Classis, c'est l'idée de l'exercice. L'idée de l'exercice, c'était... ah, les oreilles, Ashley, c'était pour la musique. Ben, j'avais envie de tester, hein, j'ai envie de tester des choses. Très bien, Batoul, l'automne est la saison la plus agréable pour visiter Paris. Batoul, c'est bien. Ankouta, je vais la lire deux fois. L'automne, c'est la saison la plus agréable pour visiter Paris. Ouais. Et faites attention, c'est pas c'est, mais c'est vraiment est. Hein. D'accord? Allez, on continue avec la phrase suivante. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Donc, ce sont des phrases sur Paris. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, ça pourrait être sympathique. Attention, je vais la lire trois fois. Comme ça, Classis sera contente. Première lecture. Aujourd'hui, il y a plus de 500 km de pistes cyclables à Paris. Numéro 2. Aujourd'hui, il y a plus de 500 km de pistes cyclables à Paris. Numéro 3. Aujourd'hui, il y a plus de 500 km de pistes cyclables à Paris. Allez-y. Peut-être pas celle-là. Alors, regardons ce que vous avez écrit. Moi, je vais vous mettre... attendez, voilà, et voilà. Donc, regardez sur votre écran et vous verrez. Donc, aujourd'hui, normalement, c'est pas trop problématique. Là, je regarde vos réponses et c'est correct, c'est bien. Ensuite, il y a, donc ça, le classique, hein, il, Y, A avec l'espace, là c'est pareil, pas de problème apparemment. Plus de 500 km, je pense que tout le monde l'a trouvé. En tout cas, quand je regarde vos réponses, j'ai l'impression que tout le monde l'avait trouvé. Attendez une seconde, je regarde. Ouais, alors vous pouviez l'écrire comme ça. Curtis voulait nous impressionner en écrivant 500, c'est très bien, merci beaucoup. Ensuite, de pistes cyclables, donc la piste au pluriel bien sûr et cyclable au pluriel également à Paris. Voilà, donc je pense que ça c'était clair. Bah écoutez, c'est parfait, pas de problème. La prochaine phrase, je vais juste la lire deux fois parce que je pense que ça va être assez facile. Et je vais la lire assez rapidement. Première lecture. Le métro a été inauguré à Paris en 1900. Deuxième lecture. Le métro a été inauguré à Paris en 1900. J'arrive pas à trouver des choses intéressantes là. Alors, regardons vos phrases. Je vais vous mettre la phrase qui était correcte. Regardez, elle est ici. Donc, le métro, ça je pense que ça n'est pas problématique. N'oublions pas l'accent si c'est possible. Après ça, on va utiliser donc a été inauguré. Donc ici, c'est le... la forme, voilà. Alors attendez, je suis en train de regarder. A été, ouais, Marois, c'était inauguré. Inauguration, c'est le substantif. Une inauguration, une ouverture officielle, si vous préférez. Alors Abir qui nous dit le métro a été arrivé. Non, c'était inauguré. Victoria, vous l'avez. Berila, vous l'avez. Yulia qui demande si c'est une musique royale. C'est probable, c'est une musique d'inauguration de métro. Ice Cubes qui nous dit le métro a été inauguré. Ouais, il y avait juste un i de trop. Ensuite, Ashley qui dit qu'est-ce que c'est la musique? Oh, on ne me donne pas la liberté de choisir des choses. Bon, bah très bien. Allez, on va revenir dans des choses plus traditionnel. Samantha qui écrit, ou Curtis, le métro a été inauguré à Paris en 1900, c'est parfait. Inauguré, Batoul, vous l'avez trouvé aussi. Rory qui dit c'est trop vite pour moi. Oui, bon, c'est pas grave, hein, pas de problème, c'était juste pour tester, pour voir un petit peu, d'accord. Là, la phrase suivante, on va la répéter 3 fois. D'accord, je vais la répéter à un rythme normal, pas trop rapide. Attention, première lecture. Chaque station de métro à Paris a un thème historique. Je répète. Chaque station de métro à Paris a un thème historique. Troisième fois, chaque station de métro à Paris a un thème historique. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi la phrase que vous avez entendue. Alors, regardons ce que vous avez écrit. Je vous mets ici la bonne phrase. Donc, si on regarde chaque station de métro, métro minuscule, Berila, c'est pas nécessaire de mettre majuscule pour métro. Avec un petit accent, c'est idéal. Jean-Michel, c'est parfait. Regardez, Jean-Michel, vous avez les accents. Donc ça voudrait dire que chaque station de métro à Paris, donc à Paris, là vous mettez l'accent Jean-Michel parce que là c'est la préposition. Après Paris c'est à et là c'est le verbe avoir, donc pas d'accent, d'accord Jean-Michel? Là ce sera parfait après. Cosmina Bellou, chaque station de Paris. Pardon, de métro à Paris a un thème historique, c'est parfait. Finzark, ouais, c'est parfait aussi. Michel, c'est bien. Un thème historique, Ice Cubes, métro à Paris. Faites attention à un thème. Regardez à l'écran. À un thème historique. Chaque station, Curtis, c'est bon. Ouais. Faites attention, Curtis, vous avez les accents. Je vois ça sur métro. Donc, et je vois ça sur A. Donc, regardez thème. Idéalement, il y a un accent grave. D'accord? Thème. Hein. C'est pour ça qu'on a le son. Et Ashley. Ashley, c'est bon. Ashley, c'est bon. Marois, attendez. Marois, il n'y a pas de problème aussi. Pardon. Elias. Elias. Faites attention, Elias, avec historique. Regardez comment on écrit historique. C'est H-I-S. Historique. Bah écoutez, pour les autres, je regarde encore, mais apparemment c'était bon. Très bien. Marois qui nous propose une traduction et c'est très gentil. Alors attention. Maintenant, on va faire une autre phrase. Et là, je vais la répéter. Peut-être. Non, je vais la lire deux fois. Je vais la lire deux fois, mais il faut vraiment faire attention, parce que bien sûr, il y a quelque chose qui va vous perturber. Attention. La plus longue rue de Paris mesure 4360 mètres de long. Je répète. La plus longue rue de Paris mesure 4360 mètres de long. Allez-y. Alors, attention, attention, je vous laisse écrire, je vous donne pas la solution parce que je vois que il y a des personnes qui étaient perturbées. Finzark qui propose une longueur incroyable. Judith, c'est pas vraiment ça. Ick, c'est presque ça. Victoria. Non, oui, excusez-moi. Non, X était bien, je suis désolé. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit presque. Victoria, c'est bon. Jean-Michel, c'est bien aussi. Marois, c'est une approximation. 4000, mais un petit peu plus. Ouais. Ice Cube, c'était bon. Michel, il l'avait. Bon, ben, très bien. Alors, Classis, on parle en mètres, on ne parle pas en miles ici. Alors, regardez. Alors, là, attendez, je vais vous la mettre comme ça parce que ce sera beaucoup plus clair. La plus longue rue de Paris. Donc ça, c'était pas problématique, vous avez bien écrit, hein, donc c'est le superlatif, on le met au féminin, longue, parce que finalement c'est connecté à rue c'est féminin, donc la plus longue, on l'écrit comme ça, rue de Paris, donc préposition de, là il n'y avait pas de problème. Regardez le verbe juste après, le verbe c'est mesurer, un verbe du premier groupe, on le conjugue, c'est du présent, troisième personne, mesure avec le E. Et donc là, c'était après, c'était la difficulté. Hein. Donc, tranquillement, 4360. D'accord? Donc, 4360. Et donc, quand je le lis à un rythme normal, 4360. D'accord? Donc 4360, mettre idéalement avec un accent grave de long, ça c'était pas problématique, mais je crois que les gens étaient tellement stressés par 4360 qu'ils ont oublié d'écrire de long dans la majorité des cas. Donc Curtis c'était bien, Marois qui admet. Elle admet qu'elle a un problème avec les nombres, c'est pas grave, hein, ça c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Très bien, alors attention, la suivante, ça va être une phrase qui est un petit peu plus longue, je vais la lire tranquillement, et puis je vais la lire 3 fois. Vous pouvez demander un verre d'eau gratuitement dans n'importe quel café. Je répète, vous pouvez demander un verre d'eau gratuitement dans n'importe quel café. Je répète une 3e fois, vous pouvez demander un verre d'eau gratuitement dans n'importe quel café. Allez-y. Alors ça c'est l'information pour Victoria, hein. Victoria demandait mais c'est quelle rue? Parce que Victoria elle aime bien marcher, hein, on se souvient elle avait fait Austerlitz. Austerlitz, je ne sais plus, est-ce que c'était jusqu'à la tour Eiffel que vous aviez marché? Donc la rue dont nous avons parlé c'est la rue Vaugirard qui est dans le 15e arrondissement, si ça vous intéresse. Alors, regardons vos phrases maintenant. Je vais mettre ça ici et on va comparer. Donc, vous pouvez demander... Donc là, le premier verbe, il est conjugué. Il n'y avait pas de problème. La plupart d'entre vous, vous l'avez bien conjugué. Vous pouvez. Donc ça, c'est pas mal. Demander, faites attention Judith, demander ça doit être l'infinitif, donc avec le R à la fin. Je regarde, même chose pour Ankouta, faites attention, demander infinitif, ER. Je regarde les autres formes, donc ça c'est à peu près bien pour les autres, ouais, pas de problème. Un verre d'eau, donc ça c'était le masculin, un verre d'eau, D', EAU. Gratuitement. Alors gratuitement, Hein, souvenez-vous, et ça c'est l'erreur, c'est d'oublier le E, mais il y a vraiment le E, gratuitement. Dans n'importe quel café, et ben voilà, après c'était bien. Victoria, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez demander un verre d'eau gratuitement. Ah, c'était dans. Vous n'avez pas entendu le dans n'importe quel café. Marois, demander un verre d'eau est gratuit. Le fait de demander le verre d'eau, Marois, est gratuit. Obtenir le verre d'eau gratuitement, ça c'est une autre histoire. Mais traditionnellement, normalement, quand vous allez dans un café, à Paris ou en France, en général, vous, si vous demandez de l'eau plate, normalement c'est gratuit. Bien sûr, il est préférable de commander autre chose en même temps. Si vous demandez une boisson avec un verre d'eau, un café avec un verre d'eau, il n'y a pas de problème. Très bien. Ashley qui nous dit « Mon esprit oublie plus vite que les mains ». Waouh, très bien. Bah écoutez, alors attention, attention, on va encore faire juste une, je pense. On va voir. Regardez, celle-là, elle va être assez facile. Je vais la lire. Je vais la lire deux fois et je vais la lire assez rapidement. C'est-à-dire à mon rythme normal. Première lecture. Il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris. Deuxième lecture. Il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris. Allez-y. Alors, normalement, celle-là n'était pas difficile. Attendez, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé. Incroyable. Finzark nous dit « Demandez un verre de thé et gratuit dans ma ville ». Ah ben ça, c'est formidable. Allons tous dans la ville de Finzark et nous pourrons boire du thé comme ça, gratuitement, c'est formidable. Alors regardez, notre phrase, elle n'était pas très difficile. Hein. Ici on met la capitale à statue, parce que c'est le nom de la statue de la liberté. Hic, faites attention avec statue, on écrit S-T-A-T-U-E-S. Liberté, d'accord. Je regarde, c'est au moins, hein, souvenez-vous, le au moins, A-U-M-O-I-N-S. Marois, vous avez oublié le S pour moins, bon c'est pas très grave, mais normalement il y a un S. Michel, c'est parfait. Finzark, 2 statues, ouais, vous mettez le Finzark, mettez le pluriel pour statut, hein, parce qu'il y en a 2 avec le S, et puis c'est de la liberté. Hein. Donc il existe au moins 2 statues. Judith, c'était 2 statues. Ice Cubes qui nous dit, alors attendez, Ice Cubes, il existe au moins, faites attention, Ice Cubes c'est au moins, au minimum, au moins, à le O, hein, souvenez-vous, 2 statues avec un S après à la fin de votre statut. Zid Industrie, il, souvenez-vous, IL, il existe au moins 2 statues. Jean-Michel, il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris. C'est parfait, Jean-Michel. Marwa doit partir. Au revoir, Marwa. Bonne soirée. Yulia, il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris. Sin situ, il existe au moins 2 statues. Même chose, statue, faites attention, Sin situ, UES. Alors, Irène qui nous dit, il existe, ouais, faites attention Irène, il existe au moins, d'accord, AU, au moins, comme j'ai expliqué, c'est A, le moins, au moins, au minimum. Rory, il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris, d'accord. Bikert, faites attention Bikert, il existe, hein, donc IL existe, pas de S, et au moins. Victoria, c'était parfait Victoria, il existe au moins 2 statues de la liberté à Paris. Curtis, bah, pas de problème comme d'habitude. Peut-être qu'il y a une statue de la liberté à Neuilly-sur-Seine ou peut-être qu'on donne un adjectif, hein, donc c'est de la liberté singulier, c'est la... How to say a minimum of... un minimum de... Rory, un minimum de quelque chose, si c'est ça la question. Alors Ankouta qui dit c'était trop rapide, pas de problème, ne vous inquiétez pas, on a fini avec notre exercice de dictée. Donc maintenant on va continuer avec, attendez si ça marche bien sûr, ça devrait marcher, regardez. L'idée c'est, je vous donnerai une phrase, par exemple je vous dirai ils ont vu vos parents. Et j'espère que vous utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cours de Zoom oralement. Vous allez me donner la restriction, c'est-à-dire vous allez utiliser le ne que. Ils n'ont vu que vos parents. D'accord? Ils ont vu vos parents, vous transformez la phrase en ils n'ont vu que vos parents. Très bien, j'espère que ce sera... Ashley qui dit au moins. Mais Ashley, pour les statues de la liberté, j'ai vu plusieurs versions. J'ai vu 2, j'ai vu 3 et j'ai même vu 5. Donc je ne sais pas. Personnellement, je n'en connais qu'une à Paris. Mais j'imagine que si on dit, c'est qu'il y a probablement... Il faut chercher. Donc, continuons avec notre exercice. Ils ont vu vos parents, ils n'ont vu que vos parents. D'accord? Première phrase, j'ai parlé à vos amis. Allez-y. Alors Ashley, on fait de la restriction ne que, transformer la phrase avec ne que. Regardons, pour la plupart c'était clair. Souvenez-vous qu'on utilise donc d'abord ne, la première partie, et après on va utiliser que. Ici, comme vous voyez, on va commencer par mettre le ne avant avoir, et on mettra le que après le participe passé. Bien sûr, le e doit disparaître parce que vous avez le son d'une voyelle après, vous mettez apostrophe. Je n'ai parlé qu'à vos amis. D'accord, je n'ai parlé qu'à vos amis. Ouais, Ashley, faites attention, c'était un petit peu bizarre votre structure. Ankouta, c'est bon. I just called, je n'ai parlé. Ouais, I just called, faites attention. Le E doit disparaître de que. Ok, vous mettez l'apostrophe K, qu'à vos amis. Ensuite, Elias doit partir. Merci Elias, au revoir et à bientôt. Je regarde. Je n'ai parlé qu'à vos amis. Sin situ, c'était bon. Bikert, faites attention. Je n'ai parlé. Il n'y a pas de pas. Hein. Je n'ai parlé qu'à vos amis. D'accord. Bon, on va continuer avec quelques phrases. On va essayer de faire des exercices systématiques. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Regardez cette phrase. J'ai sonné 2 fois. La même chose, s'il vous plaît, vous mettez la restriction ne que. Allez, on y va, s'il vous plaît. Alors jusqu'à maintenant, je crois que tout est clair, tout le monde trouve à peu près, regardez, c'est je n'ai sonné que 2 fois. Bon, Ashley, il est un petit peu perdu dans l'exercice. Jean-Michel, c'est bon. Jean-Michel, l'accent dans l'autre sens, s'il vous plaît. Cosmina, je n'ai sonné que 2 fois, c'est bien. Rory, c'est parfait. Classis, il n'y a pas de problème. Finzark, je n'ai sonné que 2 fois, c'est magnifique. Ice Cubes, je n'ai sonné que 2 fois, très bien. Berila, je n'ai sonné que 2 fois. Bah écoutez, tout va bien. Judith, faites attention, sonner, c'est avec un accent aigu. Hein, accent aigu. Unicorn Life, pense que c'est facile. Très bien. Unicorn Life, écrivez la phrase, s'il vous plaît. Et après, on verra. Curtis, d'accord. Ankouta, d'accord. Ok, très bien, allez, on regarde la suivante, il a traduit ma lettre. Unicorn, j'attends votre phrase, s'il vous plaît. Alors, Ice Cubes pose la question. Alors, attendez, je regarde d'abord. Cosmina, regardez. Ouais. Cosmina. Alors, c'était bien, Cosmina. Ice Cubes pose la question, est-ce que c'est la même chose que la négation? Non, c'est pas la même chose que la négation, c'est la restriction. C'est le concept de only. Donc, il n'a traduit que ma lettre. Well, he only translated my letter. Meaning by that, not the others. Donc c'est vraiment la restriction, hein, ne que. Donc c'est pas une négation, vraiment c'est pas une négation, c'est juste, il a traduit juste ma lettre. Il a traduit uniquement ma lettre, d'accord? Et c'est avec ne et que. Je regarde ce que vous m'avez écrit, X c'est bon. Unicorn Life, c'est parfait, merci beaucoup. Yulia, c'est très bien. Victoria, pas de problème. Ça y est, tout le monde a compris. Ma belle, faites attention. Mabel ou ma belle. Il n'a, regardez, hein, N' A traduit que ma lettre. Il n'y a pas de me, d'accord? Berila, il n'a traduit que ma lettre, c'est parfait. Sin situ. Ouais, c'est bien. I just called, pas de problème. Ankouta, il n'a... Faites attention, c'est juste A. Il n'a traduit que ma lettre. Unicorn, encore une fois. Hein, 2 fois. Comme si j'avais pas vu. Abir, c'est très bien fait. Batoul, ouais, faites attention, Batoul. Attention, regardez. Hein, il n'a traduit... Il n'y a pas de E. Hein, il n'a traduit... Vous finissez avec le T. Très bien, ok. Regardons la suite. Ils sont arrivés à 10 h, s'il vous plaît. Ils sont arrivés à 10 h. Même chose, on fait ne que et j'attends vos réponses. Alors, encore une fois, j'ai cliqué là où je ne devais pas, donc ce n'est pas grave. Nous regarderons ensemble vos réponses. Ils ne sont arrivés qu'à 10 h, faites attention. Ashley, c'était bien. Finzark, 100 h. Ah bah oui, hein, c'est l'inflation. Ah non, c'était, vous avez corrigé. K, oui, K, effectivement, c'est un petit peu mieux, Ashley, comme ça. Ick, c'est bien. Je regarde Yulia, ils ne sont arrivés. Attention, Yulia, K. Donc Q, U, apostrophe, A. Le E doit disparaître. Ice Cube, c'est la même chose. Hein. Que A, ça doit être K. Q, U, apostrophe, A. Classis, c'est parfait. I just called. No, it's not negative. It's not negative. It's just this only concept. So they only arrived at 10. Hein, ils ne sont arrivés qu'à 10 h. Ensuite, je regarde vos phrases. Non, ça a l'air d'être bien, oui. Pas trop de problèmes. Ils ne sont arrivés qu'à 10 h, Ice Cube, c'était bien. Batoul, attention, ça va être avec un S à la fin. Unicorn, ils ne sont arrivés, pluriel, ILS, sujet, arrivés ES à la fin. Merci. Pour le reste, c'est bien. Pas de problème. Alors regardez, parce que c'est presque la fin. Et comme c'est presque la fin, je voulais, regarde si ça marche, voilà. Faites-moi une petite phrase, s'il vous plaît, je l'ai trouvée sympathique. Décrivez la photo. Merci. Regardons vos phrases. Ashley le premier qui dit « Oh là là, mais c'est un gros panier !» Avec au minimum 4 points d'exclamation. Alors Ashley, très bien, mais souvenez-vous, la règle en français, entre le R et le point d'exclamation, vous devez faire, vous mettez un petit espace. Souvenez-vous, c'est bizarre, mais en français, pour les points d'exclamation et les points d'interrogation, on met un espace avant. Hein. Ça, c'est une règle en français. On avait discuté de ça, je pense, avant. Hic, oh, il y a quelqu'un qui joue au basketball avec la lune. Eh oui, effectivement. Faites attention, jouez à quelque chose, un sport. Donc, à le, c'est au. Jouez au basketball avec la lune. Alors, attention, attention, la lune est en train de tomber dans le basket. Faites attention, Michel. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un panier. On appelle ça un panier. Alors, basketball, on l'utilise, le basket, pour le sport. Mais vraiment, quand on parle de l'objet, ici, c'est un panier. Hein. Jean-Michel qui nous dit « C'est la lune avec un panier de basket ». Effectivement, une description claire, nette et précise, Jean-Michel. Merci. The Unicorn Life qui nous dit « Ah ben non, on ne parle pas en anglais ici, on ne parle pas en anglais. » Alors c'est Monta nous dit « On joue au basket, beaucoup de... Hein » Donc pas de pluriel, beaucoup de, donc vous mettez l'apostrophe. Classis qui nous dit « Quoi ? Jouer un basket avec la lune? Non, c'est impossible. » Alors faites attention, jouer au basket, Classis. Jouer à quelque chose, donc jouer au basket, à le. Ankouta qui dit la lune qui est tombée. Ouais, vous allez mettre le verbe être, qui est tombé, vous allez le mettre au féminin, avec un E après, à la fin de tomber, dans le... Faites attention, dans le panier, ouais. Yulia, il était au nord, elle était au sud, mais... Tous les deux, T-O-U-S, ont vu comment quelqu'un cache la lune. Cache, c'était parfait. Ouais, pas de problème. Berila, qui est très minimaliste. Basketball de la lune. Ah, c'est même pas une phrase, hein, c'est intéressant, Berila. Alors, Victoria... Normalement, Berila, vous aimez bien écrire des phrases longues. Hein. Victoria, elle dit beaucoup de choses. Le monde... est très compliqué. Merci Victoria, magnifiquement écrit. Bikert qui nous dit je vois une stat basketball. La terre sur la... J'ai un doute Bikert, un état de basket vous voulez dire? Cosmina, un cantaloupe dans le sac d'une sorcière. Ok, ça devient intéressant maintenant. Rory, faites attention Rory, c'est féminin photo, d'accord? Donc cette photo est très intéressante. La lune comme ballon de basket, entre le basket, oulala, c'est impossible. Je pense que la personne qui prend cette photo, encore une fois, est une artiste. Parfait, c'est très bien écrit. Ensuite, Ice Cubes qui nous dit la lune est comme un basketball, ouais, un ballon de basket, ballon B-A-L-L-O-N de basket. Dans cette photo, la photo est un peu sombre, c'est vrai. Abir, la personne qui dessine la photo est créative, d'accord. Finzark, la lune est jaune, les fantômes jouent à la lune ball, d'accord, pourquoi pas, effectivement, c'est un nouveau sport que Finzark a inventé, la lune ball. I just called nous dit, j'ai peur de la lune, laisse-la tomber, c'est une blague, j'aime la lune. Bon, merci beaucoup, c'était très très sympathique, passez une bonne journée, soirée, nuit, matinée, demain, alors attendez, est-ce que je peux vous faire la correction en direct? On va voir, demain, eh oui, nous serons le 24 et vous avez les horaires, normalement on va commencer à 10 h, ensuite on aura 11 h, après ça les quiz, le cours Zoom, le dernier cours en direct et puis les quiz. Voilà, je vous remercie, passez une très bonne journée, soirée, matinée, nuit. Au revoir et à demain.